Messieurs, frères et sœurs, dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est encore moi, le révérend Jacques Tinapansa. Messieurs, frères et sœurs, dans le Seigneur, je suis là pour vous prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et la bonne nouvelle de l'Évangile que je vais vous prêcher est intitulée « N'ayons donc point honte de témoigner ce que Dieu a fait dans votre vie. » N'ayons même pas honte de témoigner l'Évangile. Bande Kourangaye. Bible de l'Évangile dans Luc 9, 26. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, j'aurai aussi honte de lui. Tant que yo, pour nous témoigner, aux autres sonni, il n'y a pas que yo sonni. Tant que yo, aux autres honte, il y a aucun témoigner évangile. Il n'y a pas que yo un jour sonni. Si vous allez m'en voir, tant que yo sonni. Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, le témoignage, c'est la reconnaissance. C'est reconnaître ce que Jésus-Christ a fait dans votre vie. Ne pas le reconnaître, c'est l'ingratitude envers Dieu. Témoigner, c'est aussi une occasion d'édifier notre prochain. Apporter son témoignage peut être également un moyen d'édifier autrui. Lisons dans Marc 5, 18 à 20. 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. 19. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » 20. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Frères et sœurs en Christ, alors que Jésus s'approchait à monter dans la barque, l'homme qui avait été guéri lui demanda de lui permettre de l'accompagner. C'était une noble requête qui mettait en évidence les changements intervenus dans la vie de cet homme. Mais Jésus les renvoya dans sa maison pour y rendre témoignage de la grandeur, de la puissance et de la miséricorde de Dieu. L'homme obéit et porta la bonne nouvelle dans la Décapole, une région qui regroupait 10 villes. Décapole désigne dans l'Antiquité 10 villes principalement situées à l'est du Jourdain, qui se regroupèrent à une ligne. Tel est l'ordre permanent adressé à tous ceux qui ont expérimenté la grâce de Dieu. Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'évangélisation a commencé à la maison. Ndeko, Nzambe, Jésus-Christ a dit, kende nanda kuna yo, yebisa bango, oyonyon se le kaki. Ndenge Jésus-Christ a eu pitié de toi, a guérir yo, kende kosa la témoignage. Jésus-Christ a dit, kende kosa la témoignage. Ndeko nanga lelo na zote ya binokaka matea oyo lobi na ngoto mikole ko ya na koteya pourquoi bandoki na ba sataniste ba kibayaka ko sala témoignage na ba YouTube me ba chrétienté so moni chrétien ko sala témoignage pa lo balika mama be ya pasteur ou a délivré qui est c'est grave mais ndoki ko ya asali témoignage ay ba lokoti ngai akosi bino ba ngaba lokoti ngai azoku misa Jésus-Christ. Mais yo moi na Nzambe. Tolobeya mikile koya. Lisons dans Marc 7, 35 à 37.
Aussitôt, l'homme retrouva une ouïe et une élocution normale. Le Seigneur recommanda aux témoins de la scène de ne pas ébruiter le miracle, de ne pas divulguer le miracle, de ne pas dire le miracle, mais ils n'étaient pas compte de son interdiction. On ne peut jamais justifier la désobéissance, même si la personne qui y succombe est animée de meilleures intentions. 37. Les œuvres merveilleuses de Christ prolongeaient les spectateurs dans le plus grand étonnement. Il disait, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Il ne mesurait pas complètement la portée de leurs paroles. S'ils avaient eu déjà part comme nous au sacrifice du calvaire, ils auraient prononcé ces mots avec une conviction et une émotion encore plus profonde. Mes chers frères et sœurs, prenez chez vous vos Bibles et ouvrez-les avec humilité. Nous allons lire dans Matthieu 8, 1 à 4. Mais malheureusement, mes chers frères et sœurs, tant on a bandit, on a remarqué que la Bible est dans le salon. Mais nous avons une explication. C'est la première fois que l'évangile de Matthieu mentionne l'interdiction faite par Jésus de ne parler à personne de ce qu'il a fait pour quelqu'un ou de ce que les témoins ont vu. Neko, awa Jésus-Christ a guéri sur les prêts, mais à l'obi, koloba on a moutouté. Mais pourquoi Jésus-Christ a baki koloba on a moutouté? Le Seigneur savait trop bien que beaucoup de Juifs qui n'aspiraient qu'à être délivrés du joug romain auraient voulu faire de lui leur roi. Mais il savait aussi qu'Israël s'était endurci, que la nation rejetterait son règne spirituel et qu'il lui faudrait d'abord passer par la croix. Sous la loi de Moïse, les sacrificateurs faisaient aussi fonction de médecin. Quand un lépreux était purifié de sa maladie, il devait apporter une offrande et se présenter devant les sacrificateurs qui les déclaraient purs. Lévitique 14, 4 à 6. Ils arrivaient sans doute rarement qu'un lépreux soit guéri. Un tel événement était même si extraordinaire qu'il aurait dû amener les sacrificateurs à faire des recherches pour savoir si le Messie n'était pas à Paris. Mais rien dans les récits ne laisse deviner une telle réaction. Jésus demanda aux lépreux de se soumettre à la loi. Les leçons du miracle étaient claires. Le Messie était venu vers Israël avec le pouvoir de guérir la nation de sa maladie. Ce miracle constituait en quelque sorte sa lettre de créature. Mais la nation n'était pas encore prête à l'accueillir, à accueillir son libérateur. Mes chers frères et sœurs, n'époque wana, c'est là qui est difficile pour nous guérir et le prêt. Maladie wana, c'est qui est vraiment difficile. Alors, ceux qui m'ont guéri, il ne faut pas y aller, mais il faut y aller. Et ça pouvait aussi porter préjudice à Jésus-Christ. À mon avis, danger, ceux qui y aller, ils ne peuvent pas que miracle, salami, nazali le prêt, nazali le problème, et que Jésus-Christ a guéri. Il y a un peu de temps. Mes chers frères et sœurs, ouvrez encore vos Bibles avec humilité. Nous allons lire dans 2 Timothée 1, 8. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffrez avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Paul dit à Timothée de n'avoir point honte. Paul dit à Timothée
de n'avoir point honte. Au verset 12, il dit de lui-même qu'il n'a point honte. Enfin, nous lisons au verset 16, Onésiphore n'avait pas honte. À ce jour-là, prêcher l'évangile étant considéré comme un crime. Ceux qui cherchaient à témoigner publiquement de leur Seigneur et Sauveur étaient persécutés. Mais que cela n'intimide pas Timothée. Il ne devait pas avoir honte de l'évangile. Même si cela impliquait des souffrances. Certains des chrétiens s'étaient déjà détournés de lui. Sans doute pensaient-ils que s'ils s'identifiaient à lui, cela entraînerait la persécution, sinon la mort. Paul exhorta Timothée à accepter avec lui sa part de souffrance qui accompagne l'évangile et de les supporter par la puissance de Dieu. Il ne devait pas essayer d'éviter la disgrâce que l'évangile pouvait entraîner, mais plutôt l'endurer comme Paul. Neko. Awa Paulo azoloba toujours na Timothée. Ko témoigner évangile eza passi. Okuta na ba problème, okuta na ba souffrance, okuta na ba critique, okuta na ba ndenge nyonso koki. Mais koyoka sonité pour ko témoigner ce que tu as vu, ce que tu as entendu de ton Seigneur et Sauveur. Yo évangéliste, yo musal na nzambi. Tant ozo prêcher parole, ezan na bato ba kondima yo, ezan na bato ba kondima yo te. C'est pas pour rien que Jésus-Christ a dit nul n'est prophète chez lui. Ye bandima ki ete. Bazo ndima ba brigand, bazo ndima ba bato ba sataniste, bazo ndima bato mususu. Mais ye lukuna na nzela ya droit, bazo ndima ya ta mukete. Alors yo okokutana na makambo nyonso wana. Mais koyoka sonité. Koyoka même sonité pour ngana na prison. Koyoka soni na ngote. Ndeko, Jésus-Christ pe alobi na bato e bazo ba délivrance. Koyoka sonité pour na ko témoigner monene grandeur ya Yesu Masia, puissance na ye. Oko aider bato e belé. O ba mane koyoka soni. Bango pe bayoka lisusu soni te. Po yo bimisi elongi na yo na kati ya ekran. Bato bamona ndenge oza kotatola monene ya Jésus-Christ. Oyo aza Seigneur na yo pe Sauveur na yo. Yo lukaki yabikisa yo. Obiki. Me ndenge nisi ko po yo sala témoignage ekomi yo likama soni. Ndeko, Nzambe akopambola yo na bana na yo. Tango musu yo zozi na mapamboli, me Nzambe apamboli kaka bana na yo. Parce que yo okoma ina nivwa kusala suicide. Yo okoma ina nivwa kumisala mabe. Po kufotika mkili oyo. Me pona nini yozo kusala témoignage te. Tango musu na simana ope ezana batu. Musu pepe niko sala ba suicide. Me pourquoi yo kusala témoignage te. O bimisa elogi na yo. O kufi sa, satan na soni. Batu ba yoka. Pe ba komprendre. Bala nanzele na yo. Pourquoi linyango te. Ndeko nangayi. Bino moko lèr msobo bloka ka makambo ipana bino. Yangwana ba rechite za la ka. Ba rechite zo za la. Olubika za kiteko boye. E batuwa iba makamunanga. E batuwa muna pasi yunga na muna ki. Batu, nani ayebi soke batuwa iba makamuna yo. Balobi oluba makamuna yote. Balobi o temwanye monene yankolo. Soki posibilite olubi wa pasi ndambo yo muna ki. Oyo Nzambe, oyo mkolo abengani yango. Kimwe za ina katandaku na bino lisuzute. Bana basa ina ba problem. Et pour nous tatouler yango, on voit que la motion est pourquoi. Et ce qu'on fait qui. Neko, bon on a regardé le voyage on a mis ça là. Jésus-Christ a dit ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et ce qu'ils la mettent en pratique. Donc autant en 2 Timothée 2:12, nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le régnions, lui aussi nous régnera. Ce qui est en train de tant que vous êtes en train de se faire, vous êtes en train de se faire. Mais tant que vous êtes en train de se faire,
C'est sif, moi, Nanzambe, ça toujours moi, ce qui t'occupe. Moi, Nanzambe, ma belle, arrêtez. Ozui qui t'a mal na yo, obimi mon sa témoignage na yo. Batou basala ki m'avait bazako, basala ki m'avait oladika ou koufa, yo, ozomo na bango. Bango basomo na yo. Kitoko na onzambe pesi yo, tche ki t'a mala. Batou ba yik po atala kitoko na bakoutali na témoignage. Témoignage wane ko chanje bango bango walanda oya yo. Me yo za ko reniye kolo, oya bikisi yo. Ba reshi ta mousso za la problème. Ono sa la témoignage, et riyan mwa alem sou lobe koufi. On sera qui nous battait. Témoignez à qui nous battait. Témoignez à qui nous battait. Ozo yo ka soni na oya kolo. 2 Timothée 2:12. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Dans un certain sens, c'est aussi vrai pour tous les chrétiens qui persévèrent et qui régneront aussi avec Christ. La foi authentique est toujours caractérisée par la constance dans ses sens. Tous les croyants persévèrent. Mes chers frères et sœurs, nous allons maintenant lire dans l'épître de 1 Pierre 4, 16. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Par contre, il n'y a aucune honte à souffrir comme chrétien. Cela demeure vrai quelle que soit la situation. La perte de son travail, de sa réputation et de sa maison, ou l'abandon par ses parents, ses enfants et ses amis, ou la calomnie, la haine et même la mort. Nous pouvons glorifier Dieu dans toutes ses preuves tout en portant le nom de chrétien. Il ne s'agit pas simplement de se glorifier du nom des chrétiens, mais de vivre dignement ce que cela représente dans le but de glorifier l'Éternel. Si quelqu'un est connu comme chrétien et ne vit pas comme tel, il déshonore Dieu. Si quelqu'un est connu comme chrétien et ne vit pas comme tel, il déshonore Dieu. Porter ce nom comporte une responsabilité grande et glorieuse, mais néanmoins très solennelle. Mes chers frères et sœurs, ils en ont battu, oh yo ba mona pas si moko de lelo bazana sema belé. Combien de fois à l'hôpital? Combien de fois on a yé que ba risque ali wa izali? Mais tu as la cœur et à mon temps, on Jésus intervenir. À cause de la témoignage de. Oh, yon zambé, ça la pona yé. Ce qui n'gaye, na l'équipe, la mouna, cause de la témoignage, pona, na koumisa moné nan kolo, pe na édifié baninga. Ba moussous wala ndayango. Mais nani. Ko témoigner, foi ou tramote manayo. Ko témoigner, foi ou tramote manayo. Ko témoigner faux yo linga yango. Mais batinda yo te. Parce que batindi yo. Et ça n'impacte te. Il faut yo tapana yo. Alors prenez vos Bibles, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Nous allons lire la guérison des 10 lèpres. Luc 17, 11 à 19. Jésus purifie 10 lèpres. La reconnaissance de l'étranger. 11. Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent. 13. Jésus, maître, aie pitié de nous. 14. Dès que les eut vus, il leur dit, allez-vous monter au sacrificateur, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. 15. L'un de ses voyants guéris revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. 16. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. 17. Jésus prenait la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? 18. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? 19. Puis il lui dit, lève-toi, va,
ta foi t'a sauvé. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, 17:11, les péchés d'ingratitude constituent un autre danger de la vie du disciple. Les péchés d'ingratitude constituent un autre danger de la vie du disciple. Romains 1, 21, Psaume 109, 5, Proverbe 17, 13. C'est ce qui illustre l'histoire d'Élie le Pré. Jésus étant en chemin pour Jérusalem, le long de la frontière qui séparait la Samarie de la Galilée. Chapitre 17, 12 à 14. Comme il entrait dans un village, dix lépreux l'aperçurent, leurs conditions de lépreux les empêchaient de s'approcher de qui que ce soit. Aussi crièrent-ils à distance et demandèrent-ils au Seigneur de les guérir. Celui-ci honora leur foi en leur disant d'aller se montrer au sacrificateur. Cela supposait qu'en arrivant chez le sacrificateur, il serait guéri de la lèpre. Le prêtre n'avait lui-même aucun pouvoir de les guérir, mais il était mandaté pour les déclarer purs. Obéissant à l'ordre du Seigneur, les lépreux se dirigèrent vers la maison des sacrificateurs. Pendant qu'ils y allaient, ils furent miraculeusement guéris de leur terrible maladie. 17, 15 à 18. Tous avaient eu la foi pour être guéris. Mais un seul revient sur ses pas pour remercier le Seigneur. C'était un Samaritain. L'un de ses voisins méprisait des Juifs qui n'entretenaient aucune relation avec eux. Arrivé au pied de Jésus, l'endroit approprié pour adorer, il tomba sur sa face. La juste attitude pour adorer. Le Seigneur lui demanda s'il n'était pas digne d'avoir été guéri et s'étonna qu'un seul. Cet étranger soit revenu pour donner gloire à Dieu. Où étaient les neuf autres? Aucun d'entre eux n'est retourné pour remercier. 17-19. Se tournant alors vers les Samaritains, le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, seuls les 10% qui montrent de la reconnaissance héritent des véritables richesses de Christ. Le Seigneur salue notre demi-tour vers lui, verset 15, et notre gratitude, verset 16, en nous accordant de nouvelles bénédictions. Les paroles « Ta foi t'a sauvé » suggèrent que si les neuf autres ont été guéris de la lèpre, seul le dixième a été sauvé du péché. Ndekonangaï, même ibiso awa wana beglise, naba ministère, awa Jésus-Christ sazolo bayango, a sauvé dix. Mais, moutou mouka mouta reconnaître yi. Bon ba moussous. Ndekonangaï, bon se référer à la parabole du bon samaritain. Na demandé à ma disciple, se référer à la parabole du semeur. Sur quatre cœurs différents, il n'y a qu'un seul cœur réceptif. Oyo, Matéa, Ezako, Vanda. Donc sur ça, 25% seulement, ce qui est dans l'église, il y a na misala. Awa walobi na délivrance. Mutu moko kaka mutu ako reconnaître yo. Le reste. Mais, alobi na suka, oyo ba péché na ye longwe, kaka oyo ayeko reconnaître nga. Misusu na basa guéri, mi ba péché na bango tikali. Mais oyo, na ba péché na yon souke yi. Ndeko nanga yi lukaka oye bali lobo sepe la. Reconnaissance na yo, et ça n'impacte pas ça par rapport au yo ba délivré yé, mais aza ko reconnaître té aza ko témoigner té
Ndeko na ngai mwana nzambe soki mateya oyo. Kabola yango na bana nzambe oyo yebi oyo balingaka liloba na ba oyo balingaka bon liloba te. Parce que mateya oyo za rare boyo kono beglise. Mateya onga na teyaka. 90% zaka rare ya boyo kono eglise. Na yoko ango pa ya bato ba yaka. Même Hortense Nyanya tunanga pasta ndeni mateya yote yaka na beglise biso yoko ango te. Ani kabote alubala nga ye moko peke ah pasta so biso yoko mateya neti ndenge yote ya ande masimu biso biso satu sala ya ngote. Timba evangeliste mama Timba nani na bose kombo. Elo si madi ayi papa songa na yoka makwiza. Abi songa na yoka na vinanga na yoka mateya oyo teyaka ne makamso esala mate Albertine Makwiza alubela nga ngo. Soki na kosi ya lekalo bayinga na kosi parce nga kosa kate. Alors, messieurs, frères et sœurs, témoignez un enseignement, une lumière dans l'ignorance. Ainsi, notre témoignage peut être une réponse à l'ignorance. En mettant en lumière certains péchés de notre passé et notre manque de sanctification, nous pouvons faire comprendre à nos interlocuteurs qu'il y a certaines mauvaises habitudes à bannir de leur vie. Peut-être le Saint-Esprit se servirait-il de notre histoire pour enseigner, guérir, toucher et délivrer un frère ou une sœur dans le Seigneur. Mais c'est l'orgueil qui t'empêche de faire ton témoignage. Ndekunangai, témoignage na yo. Bakoyi ko zwa yango, ba prêcher yango. Makabu oyo lobaki, ba zu yango, ba prêcher yango. Nakoyi témoignage amtu kwa zoba. Pourquoi ngai na poto me na mimona ka toujours na za na Kinshasa nga siko na zu yango mikoloko yana ko prêcher yango et voilà et ta ko sala témoignage te ndenge ba sataniste ba sosi ba salaka aye asa ko sika parce que nga 48 hada parce que o temps te yo ta mo sala témoignage na yo ta mo zo expliquer ba passe yo mona il faut na elogi na yo ba mona souffrance oyo banai ko mona avant sa délivrance. Nasuka, weko kumisa grandeur, monene yankolo, puissance yankolo. Moumouna ba dougine ba yaka, eh, nga koutou asenga yaka 48 personnes, mna sa yibou, ah, nga la pesa ka suki mille, nga sa yisa, donc, azo mouna nengo rien. Et moutande mouna zoko sabino ke, nzambe, aloko tinga, to misala nanga esili, te esili nangote. Muto auti aosa témoignage auti na passe boloki témoignage ya mama Rosa tango aosa la yango awa ata to zangi na mateya tango asali kwa ke to ka leli aleli passe yo monaki mena suka nango alobito pesa kolo to glorifier kolo nakomi koloba nakomi boye nakomi ko tambola nakomi ko pousa voiture. Rien ne vaut la parole de Dieu. Lingali loba, oko sepela ndeko, oko sepela. Alors, messieurs, frères et sœurs, c'est l'orgueil qui t'empêche de faire ton témoignage. Nous ne devons pas avoir peur ou honte de partager notre témoignage. Lorsque l'on ne sait pas exactement parler de Jésus, partager sa propre histoire peut être une véritable source d'édification pour le corps de Christ, mais aussi pour tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté la puissance de Dieu. Les témoignages, une mission confiée à tous les chrétiens. Dans les évangiles, c'est une mission qui est explicitement, alors, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, tant qu'on a préparé qu'il fait, il m'a dit qu'il y a mais, ce qui est avantageux, nous avons parlé dans le témoignage, il y a un peu de temps qui est oyo na lobi awa. Dobande kunangai, zala gentil, moi nan zambé. Comment ça se fait qu'au moins 2000 chrétiens batali, balandi, au moins 7 gammes de tchè, même commentaire à Pamba, ah, pas nan zambé. Yo za chrétien. Oyo kini lo baboye. O sepeli. Mais, na yotibo, wopesa nga ta merci te.
Ponza me pambola yo. Ogo tchata commentaire te. Mais ceux qui commentaient la pamba, ils ont banga moi dans Nzambe avec les chrétiens. Bon, si quoi le témoignage au salon de René. Ceux qui ont au banga ne fils que pendant le baquet. Ah, papa, Nzambe vraiment pambola yo. Ma kamebele na yoki awa, na eba ki angote. Merci Nzambe. Mais ceux qui ont au témoignage, ya. Ozo yo kamate ya boye. Oza yo kwa ta ko tia commentaire te. Omoni mo tema no de jandinga yali. Ba délivrance na yo ese yo simba te. San tiem pa. Parce que même ko koma pamba. O koma kate pa o remercie. Mo sana Nzambe oyo mate ya wane koti yo. Ngayi mate ya nyoso na te ya ka. Soko yo ki anfo ekota yo. Mate ya tu. Oke la page nanga. Ozu n'importe quel message. Ke n'importe quel enseignement. Soko yo ki anfo. Omoni beti yo. Obligé. Parce que mon limo sent tout le baka, ils ont gaité. Mon limo sent. D'ailleurs, n'abaisse pas vous l'andi, nani témoignage à maman Rose, mais ils ont gagné zoloba. Maman naïe a zoib saïe, kende a kubondi la pona yorobika. Maman Rose a dit babi, aza moussa nan zambi. Maman Rose a dit, n'engue pas salenga, mais mission bandoki pour nous critiquer, mais maman naïe a insisté. Alubi, aza moussa nan zambi. Maman on a zangi diagonèse, a sa la bakuru biblique, a ye ba faux, na ba vrai. A sa consiste, a bi jour maman Rose a lubi na ye, maman, na zui pasteur dina banza, maman na fukami, a bi merci kolo. Nanu na bondelite, mais maman fukami a zo senga merci, kaka po ba zwinga. E zanga ite mtrazo lubango avec orgueil, maman Rose mtawutio lubango bolanda, mate ya na ye, e zan na 500, na tchao na 0580 teyen, mais n'a pas changé en 80 et 82 parce que 580 est déjà. Donc n'a pas changé en parallèle, n'a pas 81, donc 82. Oyo, ils allaient 0,583. Bande Konanga, après, Oyo, peut-être, le bon monde à Moussousou, la prière d'intercession. Merci beaucoup. Bande Konanga, Nzambe, à Pambolabino, à la prochaine occasion. Merci.